Dialogue interhaïtien, yo, j'en tout connaît qui t'a fait dans le pays Jamaïque là échoué. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après 3 journées de discussion, aucune résolution pas sorti. Zéro barré. Acteur yo retourné dans le pays yo là, en Haïti, hier 14 juin 2023. Yo rentré bak la kayo avec 2 bras balancés, 2 mains vides. Eh bien, laissez-moi vous dire, ouais, malgré échec de contrat ça yo, malgré problème ça, ça pas t'empêcher que Premier ministre Ariel Henry te prend la parole et li prend parole pour te féliciter autorité CARICOM yo qui te prend initiative de dialogue si là. Eh bien oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Premier ministre Ariel Henry reconnaît échec dialogue là et li promet que li capable continuer rapprocher avec dialogue yo encore une fois pour y rejoindre une personnalité crédible pour monter KEP. Eh bien oui, réaction yo pas suspendre tomber après échec dialogue Jamaïque. Divers acteurs politiques yo qualifié déception rekoti là. C'est bien surtout cas ancien premier ministre Evans Paul qui lui-même s'est conseiller acteur politique yo pour ta suspendre chercher légitimité communauté internationale là, mais plutôt pour chercher connecter yo avec population. Oui, ancien conseiller spécial l'entour, spécial président Jovenel Moïse, nous connaît qui c'est Guichard Doré, t'es devant juge instruction toujours hier, Walter Wessel Voltaire, dans cadre enquête sous assassinat président Jovenel Moïse. Après audition ça, Guichard Doré t'es continué dénoncer Zakla et l'ima de justice pour ancien chef d'État. Et de individu tout qui fait partie base grand griffe nan Savien qui rive joindre la mort après coalition résistance anti gang Savien yo te fin saisi. Bien sûr yon cargaison cartouche individu ça qui lui même t'a transporté bien sûr et cartouche ça pour base là et un petit temps après yo te saisi. Et bien policier Utag qui nan commissariat Verette là te lancé yon opération krasé barricade et puis saisi manchette habitant yo ça qui t'a pral créer yon situation de panique totale capitale dans zone si là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jodi an c'est exactement et truc ça yo nous va gagner pour nous élaborer avec ou dans journal là, pas gagne d'autre chose à part ça. Et bien laissez-moi vous dire donc n'a pas un petit coup de pause, d'accord, on sera de retour. Je vous ai annoncé, mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes tous et bienvenus sur votre chaîne avec René Thomas qui est là pour vous servir. Laissez-moi vous dire que oui, acteur dialogue inter-haïtien dans le pays Jamaïque. Moun sa yo déjà retourné dans le pays yo ailleurs 14 juin. Malgré rien pas sorti comme solution dans la rencontre ça, Premier ministre Ariel Henry félicite autorité CARICOM yo qui yo même te initié des marches ça et gouvernement, chef gouvernement bien sûr fait connaître que li te discuté sur une formule tête ensemble pour combattre insécurité qui a mené sous chemin élection. Li te félicite tout acteur yo qui yo même te mette d'accord pour gagner passer main qui t'a fait dans la Constitution. Locataire primatier renouvelé volonté li pour li remanier gouvernement. Administration communale avec diplomatien Ariel Henry, bien sûr, Mounsayo Tenamikono pour plus de détails. Pour le moment, le dialogue n'a pas encore abouti au résultat souhaité. Mais nous allons continuer comme nous sommes engagés à le faire et nous ferons des consultations autour des personnalités crédibles à proposer par le gouvernement au HCT pour la mise en place du CEP. Les consultations de Kingston constituent une étape dans le dialogue avec l'ensemble de nos compatriotes. Le groupe des éminentes personnes demeure mobilisé sur la question et devrait venir bientôt en Haïti pour rencontrer le HCT et un éventail plus large d'acteurs haïtiens qui n'ont pas pu être à la Jamaïque et continuer de travailler avec tout le monde afin de faciliter le dialogue. Ce dialogue doit se poursuivre et nous allons continuer à parler aux uns et aux autres. Mais nous n'avons pas l'éternité devant nous. Cela fera bientôt 2 ans. Depuis que cette période intérimaire a commencé, nous avons cherché sans arrêt à construire des consensus en parlant à tous pour trouver des accords qui nous permettent d'aller de l'avant. La période intérimaire a trop duré. Nous devons mettre en branle le processus électoral,
mettre en place un conseil électoral provisoire crédible et mettre le cap sur des élections générales. Bien entendu, la sécurité étant une priorité et une urgence, le gouvernement continue à travailler pour trouver un accompagnement et des moyens pour nos forces de sécurité en vue de créer cet environnement sécuritaire qui permettra aux partis politiques, aux candidats, à faire campagne en toute sérénité. Premier bail que m'a dit, ça qui est important, c'est que nous parlions. Et le dialogue pas toujours abouti du jour au lendemain. Nous pas d'attendre que nous allons à Kingston, Jamaïque, et à l'intérieur de la société haïtienne, nous te résoudre tout problème. Yo. Ça nous tout espérer, c'est ça nous fait tout d'ailleurs. Son premier pas nous fait, nous rencontrer des compatriotes, et avec compatriotes, ça, le dialogue là, t'es cassé depuis un certain temps. Nous prenons engagement pour nous continuer à parler et nous prenons engagement pour nous travailler pour au plus vite que la sérénité qui a retourné au niveau du pays et que ensemble nous allons aller vers des élections côté peuple qui a choisi dirigeant. Il y a des divergences, il y a des points que nous pas arrivé à entendre. Mais nous entendons, nous sommes bagaille, c'est que nous continuons à parler. Sans plus tarder, nous gagnons toujours Premier ministre qui reconnaît échec dialogue ça, mais tout lui promet que yo a continué discuter pour joindre une personnalité crédible pour monter KEP. Chef gouvernement annoncé que avant l'automne, yo va faire élection pour yon CARICOM en Haïti, il y a fort débarquement pour yo capable continuer tout dialoguer avec plus acteurs politiques avec société civile. Ariel Henry encore une fois dans micro. Ces consultations nous ont permis de constater que sur plusieurs sujets d'importance, nos points de convergence sont plus nombreux que nos divergences. Le gouvernement avait souhaité parvenir à une déclaration commune avec tous les participants sur quelques sujets, surtout sur les sujets auxquels on pouvait facilement trouver des consensus. Nous t'ai proposé pour nous toutes prononcez-nous ensemble, premièrement, sous affaire insécurité à cap brasser bil pays. Sous nécessité pour yon tête ensemble pour nous faire face à phénomène. Pour nous porter coller derrière force de sécurité nous yon. Comme ça, nous ka ramener la paix et sécurité dans tout pays. C'est sous obligation pour permettre population recommencer vivre normalement et pour nous ca organiser bon élection que nous développer sécurité. Deuxièmement, nous toutes dit nous c'est démocrates. Nous ca mettez nous d'accord pour nous dire yon nan mission principale yon gouvernement transition c'est créer conditions pour organiser bon gens élection et bay peuple haïtien occasion pour choisir librement et libre, femme à garçon yo vle mette dans tête pays dans parlement dans collectivité locale yo tout monde t'a fait pour d'accord avec ça. Troisièmement, pi fort pour me pas dire presque toute organisation politique ak société civile là penser faut qu'a gagne un passé main qui fait dans constitution noire. Il pas d'adoué trop facile pour nous prendre engagement. Il n'est pas d'adoué trop difficile pour nous prendre engagement pour nous travailler ensemble sur ça avant de nous organiser élection générale. Quatrièmement, gouvernement avec tout HCTA était flexible pour étudier quelques modifications dans la structure gouvernement, dans la structure gouvernance pays. Et puis, d'accord pour faire changement dans le gouvernement pour qu'il vienne plus inclusif dans l'administration publique là dans la diplomatie à collectivité locale esprit d'ouverture ça ta doit permettre nous rassembler tout le monde dans combite pour sauver Haïti. Je souhaite de lancer comme ça, nous avons ancien Premier ministre Evans Poltou qui qualifié déception forum qui se déroule dans Jamaïque. Là, li vraiment attendre que tu aies une solution qui sorti dans forum si là, mais li encourager acteurs politiques souple. Chercher de préférence légitimité bon côté
et blanc au lieu pour n'a fait ça suspend plutôt nous chercher connexion avec population qui vraiment senti le bouquet à tort avec accord matin midi soir Evans Paul tenamiko. M'a dit nous que moi Aïk après déception Jamaïque moi te souhaité gagner un bagage qui sorti même pas pour chemin pour te le passer expérience moi compréhension de crise là je pensais que nous non exhibition de faiblesse tout le monde faible le fait que tout le monde faible il est difficile pour gagner un jeu qui est capable de forcer gagner un printemps et c'est là véritable dilemme non chita l'autre situation pays souvent d'être quel que soit ici qui plus gros problème pays à traverser je dis il y a de insécurité et quel que soit pas de signer Jamaïque la problème insécurité pas toujours plus que pas gagner aucun monde qui présent yo qui a une capacité ni autorité pas dire pas une volonté parce que pas qu'on voyait monter qui a résoudre problème puisque n'a pas de don problème insécurité pas un monde qui gagne prise sous problème t'es qu'à dire si on papier problème sécurité résolu ça veut dire c'est qu'un pile chance pour nous passer à côté en plus la parler de politique au service de l'économie deuxième gros problème pays c'est grand goût c'est précarité c'est pauvreté ou pas senti son question qui n'a préoccupation majorité acteurs politiques et puis fondamentalement bon bagaille moi-même qui gêne depuis quelque temps nous plus à chercher légitimité bon côté étranger que bon côté peuple c'est ça qui explique le phénomène accord c'est ça qui fait tout pas de mobilisation pour accord pas de mobilisation pour gouvernement pas de mobilisation contre gouvernement pas de mobilisation pour opposition pas de mobilisation contre opposition peuple la mettait de manière indifférente la cible la observer alors face à un tableau comme ça pas tout le monde comprendre nous bon dilemme premier ça pour nous faire c'est chercher connecter nous à peuple là parce que politique pays a déconnecté avec peuple là son question d'accord qu'a chercher légitimité bon côté étranger et c'est ça qui mène nous Jamaïque qui fait nous tourner Haïti à quoi une perte du temps parce que nous fait expérience nous fait déjà nous apprendre et moi même si bon bail que j'aime là moi tout acte qui d'accord qui en désaccord monter même avion pour aller Jamaïque tourner dans même avion sortir Jamaïque son bagage contingent j'aime bien content pas dans position pour m'aller. Nous avons ancien premier ministre Evans Paul qui a plaidé tout en faveur organisation élection en dépayant pour renouveler personnel politique malgré le conscient que condition yo pas réuni pour élection organisée à cause de problèmes insécuritaires. Cependant, Evans Paul retient quoi que fort exercice démocratique l'en li fait pour payer capable gagner autorité légitime li. Evans Paul tenamikoun pour plus. Pigoma le carrive au monde, c'est ba le pour leçon, n'est pas pour leçon. Ça me connaît, chaque monde chante monde, chaque monde dans chaque situation, bon j'en capable ajuster. Ça me pensait si bon conseil me capable bail, suspendre faire exhibition, en faire réunion, porte fermée, chercher solution. Suspendre bail peuple à faux espoir, dire nous va discuter, nous va chercher entente. Cherchons entente à porte fermée. Et puis annoncer peuple la bonne nouvelle, mon bon monde intelligent qui expérience, je fais groupe à l'école, je fais expérience dans l'État, je pense que nous sommes capables de jouer une solution et nous obliger à jouer une solution parce que le peuple n'est pas capable encore, c'est message. Il y a deux dimensions de crise. Il y a une dimension championnat, il y a une dimension compétition. Tout le monde veut ces fédérations. Nous ne sommes pas qu'à fédération, pas qu'à équipe. Moi-même, si je veux une opinion. Je pense que faut que nous prenions disposition pour nous organiser compétition. C'est vrai, pas de condition pour l'élection faite, il y a une sécurité, etc. Mais c'est une confrontation démocratique pour un monde qui a une légitimité pour un pays en main. À faire consensus, là, ce n'est pas antidémocratique. Démocratie, c'est 50% plus 1. Moi-même, ma peau est vivre ensemble, pas avec les amis qui nous accrochent. Même bagaille, nous, dans la rue, il y a mon cap côté, il y a mon cap descendre, là, vivre ensemble, dans le respect, règlement, circulation. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nous tous d'accord sur le même bagaille. C'est pour nous organiser les règles jouettes là, pour le peuple à trancher. Pas 10 conditions réunies pour l'élection faite, mais il faut nous diviser le problème en deux. Un, créer conditions pour l'élection faite. De faire compétition pour le peuple à choisir, moun livré, by responsabilité, résoudre le problème. C'est comme ça, moi, vrai. Oui, ancien premier ministre Evans Paul, qui lui-même tout pas épanoui dans sanction autorité dominicaine, lui fait connaître que. C'est l'État qui pas fait travail li à cause pays étranger à prendre sanction contre pays yo.
Evans Paul encourage autorité yo dans la justice là yon façon pour capable prendre responsabilité yo dans dossier sanction yo. Evans Paul te nan micro. C'est parce que pas gagne l'état que c'est étranger qui a pris sanction contre citoyen ici. Parce que l'état manque fait travail, puisque c'est pas normal. Est-ce que l'état ici est capable de prendre sanction contre un citoyen étranger? Quel que soit citoyen, si bon bagay yo reproché, c'est la loi haïtienne qui doit être en Chine. Et jusqu'à présent, pas trop tard. Faut la loi haïtienne, faut la justice pays d'Haïti, d'immoler, sous quel que soit mon lieu là, bon bagay sous dol. C'est ça qui est état de droit. Et c'est ça qui a fait prestige pays. Là, nous, à la dérive, tout le monde perd du souveraineté sur le plan justice, sur le plan moral, sur le plan économique, sur le plan politique. Si on va faire, c'est reconquérir la souveraineté nationale. Là. Et les gens pour nous faire, c'est à travers la démocratie, il faut que nous tout pour un mandat pour faire. Parce qu'en fait, nous mettons la tête ensemble, nous sommes réveillés. Tout le monde ne peut pas mettre la tête ensemble, mais nous avons créé une règle jointe démocratique. Pour nous créer conditions pour qu'un monde qui ait légitimité pour adresser problèmes yo dans le sens intérêt peu haïtien. C'est pas que ce soit indépendant, il faut demander si on a une capacité. Parce que nous prend le dossier du président Jovenel Moïse. Il faut demander de qui justice, est-ce que le nom est justice haïtienne ou bien est-ce que le nom est justice américaine, ou est-ce que la justice américaine va condamner le monde. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas l'empile, mais nous n'avons pas rien avancé. Là encore, son président est assassiné dans le pays. Pour justice, là, même le premier citoyen pays, il n'y a pas qu'à faire celui-là. Qui fait nous à genoux tout le temps. Alors, moi, c'est que nous prenons conscience que nous n'avons pas nous besoin d'un appui de l'autre. C'est pour faire des efforts pour nous essayer de conquérir, reconquérir un minimum de dignité nationale. Sans plus tarder, nous avons un dirigeant collectif avocat qui a défendu le droit de l'homme, qui a même critiqué acteur politique qui a participé dans le forum qui s'est fait Jamaïque. Et pour mettre Arnel Rémy, bien sûr, contre Silla, c'est un temps perdu. Côté que, il a montré la communauté internationale là où tu voulais discuter, mais dans ce sens, il a encouragé la population de préférence pour prendre des stéréos en main. Arnel Rémy, tu es dans le micro. Le forum qui a organisé Jamaïque, il était très sceptique. Parce que écoutez, à l'organiser Jamaïque entre les mêmes acteurs, mon principe qui joue les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et après, le problème qui demeure, c'est que les acteurs refusent de faire ce qu'on appelle un dépassement de soi. Tout le monde blesse ses solutions pour nous. Tout le monde blesse ses solutions par où passe. Pendant ce temps, égocentrique ça. Égoïste de la part de l'acteur qui pour résultat l'appauvrissement de la population. Et sa crise politique là sont crise générale. Crise politique ça sont crise qui est conséquence sur toute institution de pays. Rien ne marche, c'est ça maintenant. Maintenant, que le bicéphale, que le monocéphale, qu'est-ce qui doit importer pour ce pays? C'est de trouver une solution d'union nationale. C'est-à-dire, pour qui ça n'a pas perdu du temps Jamaïque? Pour qui ça n'a pas perdu du temps Kingston, dans monter bus, etc. Dans monter le monde, c'est que nous devons négocier. Mais écoutez, si nous étions là, nous ne voulions pas rentrer dans la logique, quitter ego de côté, ego personnel, mais si nous disons ça de côté. Attention, finalement, quand nous venons de mon côté, et population, nous allons décider de faire forum. C'est le peuple haïtien qui a fait forum. Parce que écoutez, vous-même comme leader politique, vous-même comme acteur politique, vous-même comme politicien, si nous disons ça, si nous pas de maturité, attention politique, pour résoudre la crise là, parce que le peuple haïtien a parlé de même. Et par rapport à la question des sanctions, etc., de part et d'autre, département d'État, sorti gros rapport, nous sommes en train de constater l'effritement de cette classe politique. C'est-à-dire, tout le monde a dit là. Son scène qui est apparemment vierge là, son scène politique qui est vierge, parce que moun qui t'a dit confession, ça qui t'a inspiré confession, attention, regardez, écoutez une déclaration de l'ancien sénateur en Akassi sur la radio télécan. C'est lamentable, c'est pitoyable. Un homme d'État qui a gorge déployée par les clans du écoutez, mais ça passe, mais ça passe. Ou pas, ouais, ça vient jeter plus discrédit, ça vient augmenter méfiance. Nous même penser que, monsieur, l'heure n'est plus au dilatoire.
Le, nous prenons les gens qui vivent dans la pauvreté extrême, les gens qui vivent dans le grand bourg, les gens qui vivent dans la misère, par rapport à refus de faire ce dépassement de soi, mais même pas si nous avons le temps pour que le peuple haïtien prenne des stèles. Forum ça, plutôt que le peuple haïtien, forum pas le gouvernement là, pour décider à l'avenir politique. Parce que tout autre avenir politique, chita, nommé des leaders, qui imprégnés de certains égoïsmes inqualifiables, nous pensons pas que nous avons Secrétaire général parti politique mécontré pour sauver Haïtien, li signataire accord 21 décembre nan, li espéré que li expliquer bien sûr déception li par rapport avec échec rencontre inter haïtien ça nan pays Jamaïque, li fait connait que ça c'est un temps perdu. Vladimir Dieudonné mandé avec HCT ensemble avec Premier ministre Ariel Henry dégager Koumet Jean-Jacques pour capable de leadership nécessaire pour mettre campé conseil électoral là pour élection capable organiser dans pays. Et oui, coalition résistance anti-gang ça vient dans la Tibonite, t'est arrivé touyer deux membres gang base Grand Griffe. Non, ça vient tout de suite après avoir fini saisi pour une deuxième fois. Yon cargaison katouche, eh bien, bandi base gang Griffe te voulu acheter sous frontière Elias Pignas lan. Quelques minutes après saisissement ça, agent Utag qui nan commissariat Verret lan te lancé opération crase barricade, saisi manchette habitant yo. Ça qui te créé une situation panique. Police dans zone nan, bien sûr, policier Utagio te tire pile katouche dans localité Desoulier, Kishita Colina Ponsonde, Désir Venesse, gen pou ba nou plus détails depuis Tirivière la Tibonite sou fè ça. Réseau gang Grand Griffe cap opéré dans localité Savien à tout département la Tibonite là, pas suspend théoriser population dans vallée a Madi pour l'ouvrir mercredi, yo débarqué dans localité Grand Rat, yo pillé plusieurs business ak plusieurs kay paysans qui dans zone nan, yo rivé kidnapper madame Dival, en pile moun konnen sous nom jet ride, yo descend nan base yo ak li. Nan même mercredi matin, yo te planifié pour tal théoriser ti machan nan marché public sous route nationale là, nan ponsonde bien jeune bien contré ak membre coalition qui te déjà mette yon embuscade pour yo, des bandits nan mitan réseau Grand Griffe qui important en pile rive prend bois calé c'est Diego ak Asne monsieur Sayo yo te kon utilize yo pour voyer al chercher munition soit Port-au-Prince à travers réseau gang village de Djea population en fait quoi c'est un gros coup de filet ensemble résistance ak coalition en fait pour matin hein, les yo apprendre que yo mette main dans Colette Diego ak Asne yo ba yo bois calé population dans région Balatibonite là dénoncé comportement unité Itag qui dans commune Verret ailleurs qui Antonio qui débarqué sur tronçon route Liancou pour river Ponsonde dans limite des souliers yo saisi en pile manchette dans mes cellules résistance et tiré en pile coup de balle sur jeune garçon qui était des barricades. Monsieur qui dans cellule résistance Chandelio saisi yon cargaison katouche qui tap sorti Elias Pignas qui tap descend sous Morodwe pour ta joindre réseau gang Tigriff. Population en fait quoi? La police fait on seul avec réseau gang yo pour créer panique pour faire l'argent parce que à travers insécurité ya policier Itagio créer yon business pour traverser camion gaz c'est $900 américains et camion marchandise cap sorti Elias Pignas yo c'est $500 américains yo prend en main chauffeur yo. Population dans région Balatibonite là mandé à responsable inspection générale et directeur général police là pour mener enquête sous trafic ça policier Itag qui dans commune Verret a fait dans région Balatibonite là pendant tibis à camionnette qui portait passagers pas joindre protection la police c'est camion marchandise qui a traversé pour l'argent c'est la population c'est ça qui la cause policier yo mandé pour craser barricade yo et même faire pression sur barricade yo tirer derrière yo accès manchette yo c'est parce que business yo crasé yo mandé avec direction départementale police là même que policier Itagio pas recevoir l'ordre dans mail c'est Port-au-Prince l'ordre de sorti pour agir en conséquence pour pita papitrice c'est l'on monde pensonde yo pas prend ça encore nan mais policier Itagio pour venir tirer sur yo yo même y a utilisé tout ça que yo gagné pour faire réplique à policier yo. Moi c'est Désir Venesse Tirivière la Tibonite City Crète à Pierrot pour TAC 509. Et oui, responsable commissariat à police Wana Metlan, commissaire principal bureau mon cher, qui rivait présenter bilan opération que au mené sorti mois de mai pour arriver mois de juin 2023.
plus passé yon 50 individus joine arrestation yo parmi yo deux évadés prison pour diverses accusations tankou viol, vol, braquage, association malfaiteur, détournement minier. Yon réseau gang qui démantelé correspondant nous dans département nord-est payant qui pral ba nou plus détails sous si la chaîne Austin. Dans une conférence pour la presse mardi 13 juin 2023, responsable commissariat police Wanametlan, commissaire Bio Monchère, présenté dans salle conférence commissariat Wanametlan bilan opération yo mené soti mois mai pour arriver mois juin côté environ 50 monde joine arrestation yo pour viol, vol, braquage, association malfaiteur, détournement minier pour ne citer si là seulement dans micro tax 509 commissaire Bio Monchère fait connaître la police dans commune la mette arrêté de évadé de prison yon te sorti dans prison civile Gonaïve l'autre la te sorti dans prison civile Akaya et moun sa yo déjà remet by la justice c'est si moi même privé moi juin nous arrêté plus d'une cinquantaine de personnes et des moun qui impliqué dans des actions diverses qui t'a nuit population si m'tap fait une petite décantation. Nous t'approuvé que pour moun qui n'a question association des malfaiteurs, c'est-à-dire des moun qui gen sa yo les réseaux et qui a opéré ensemble, nous arrêté sorti mois mai pour arriver mois juin ça là 15 moun déjà. Et dans question vol de moto, nous arrêté 3 moun. Vol téléphone, nous arrêté 4 moun, c'est des moun qui a campé dans coin, veillé dans fait noir et puis c'est ce téléphone là même moun, nous arrêté 4. Il y a des gens qui ont question de détournement des mineurs, nous avons arrêté 4 tours. Il y a des gens qui ont volé l'argent, pour jouer avec les gens et puis râler l'argent dans la main, nous arrivons à arrêter. Il y a des gens qui ont impliqué dans la question de cambriolage, nous avons arrêté 2. Il y a des gens qui ont fait tentative d'assassinat, nous avons arrêté tout. Il y a des gens qui ont impliqué dans la question de traite des personnes, c'est des gens qui ont utilisé les gens, qui ont essayé d'exploiter les gens. Et pendant qu'il y a violé la loi, nous question de traite de personnes, nous avons arrêté 2. Et nous avons arrivé à arrêter tous 2 évadés de prison. Il y a des gens qui étaient sortis de naïfs. Et il y a des gens qui étaient en prison à carrière, que nous avons arrivé à arrêter, nous remettre la justice. Et nous avons 6 personnes qui ont arrêté pour voir des faits. Et nous avons 1 nous arrêté pour viol. Toujours dans micro tax 509, un commissaire Bio Monchère fait connaître au mois juin la police démantelé un gang qui t'a opéré dans la commune la Mette qui est spécialisé dans cassicaille en voler motocyclette. Chef gang Silla qui c'est Joachim Luxis, il déjà arrêté et puis dossier transféré fort liberté. Pendant demander population Wana Metlan continuer supporter institution dans partager information avec vous. Moi ça démantelé yon gang qui t'a opéré en amène et qui t'est spécialisé dans cambriolage. Alors nous parlons de cambriolage et qui sont cassés caille. Les moun pa la, nous reporte ou bien essayer le soir rentrer la caille moun yo pour voler des bagages, voler des fois motocyclette et gen dans une manquette sens il y a plusieurs monde qui t'a dit nous que gen moun qui rentre la caille yo voler motocyclette et bien gang ça qui nous t'est localisé dans zone sens te gen nou yo gen yo plusieurs yo environ une dizaine mais la police déjà arrêté 4 nan yo et chef gang ça son nèg ki rele Joachim Luxis nou te arrêté et nou gen tan voye dossier sa yo déjà for liberty donc c'est pour nous dire population que nous pa dormi n'a travay nous juste mande yo continuer soutenir institution nan bay information. Depuis commune Wana Metlan, département nord-est, pays d'Haïti, Cheno Rosny pour tag 509. Nous gagnons porte-parole Vive Haïti qui lui exprimer frustration li par rapport avec mort de la guerre qui t'a gagné dans mariage police population ou ni Timothée tout exigé et yo accusé bien sûr état major la police dans état qui fait connaître que li a boycotté mariage si là dans l'idée pour continuer bay bandi yo jarrette. Roni Timothée, yon l'autre côté, li bat bravo la contentement pour sanction. Pays États-Unis t'apprend contre divers acteurs politiques, en particulier Laurent Lamothe, qui lui-même gaspillé plus passé 60 millions de dollars dans l'agent pétro-caribéen. Dirigeant politique là, mande la justice pour responsabilité dans dossier si la. Roni Timothée, nan mikon, qui pral converser.
télévisés et médias en ligne qui répondent présents dans la conférence pour la presse. Parti sociopolitique d'Haïti a fait une conférence de presse matin pour nous parler avec les Haïtiens, pour nous parler avec l'autorité, mais tout pour nous parler avec l'état-major, la police. Tout le monde a vu mariage qui était fait entre police et population. Tout le monde a vu qualité de résultat que le débat. Kidnapping qui font baisser. Insécurité qui font baisser. Bandits pas à l'aise ni dans la rue, ni sous les réseaux sociaux. Mais je dis, c'est comme quoi que nous voyons tout bel effort que le la police, que la population. Il fait pour faire mal à ça, c'est comme quoi que nous, bandits, on veut retourner à l'aise encore. Mais l'heure qui va ici à mener enquête pour nous connaître qui ça va aller exactement, c'est comme quoi que il y a un recommandement de la police en capodé, mais il y a un groupe tout cap décodé. Ça veut dire qui ça? Il y a un groupe, le fait que le directeur général SAC, son directeur général a dit, il y a tout à boycotter l'opération, il y a tout à désarticuler tout ça qui est fait déjà, en façon pour renverser le directeur général de la police, pour eux-mêmes être capable d'une place directeur. Mais tout, nous venons mener un bon genre d'enquête, nous venons jouer, eh bien, il y a une parole qui parle comme quoi, qui est même blindé la police. Qui t'a boulé, bandit, t'a boulé. C'est comme quoi que tu as une complicité, quelques monde dans la police, qui la cause, machine ça a boulé, en façon pour montrer, comment la police va gagner la fait. Directeur général de la police qui n'a pas rien à régler, donc le mieux c'est de renverser monsieur. Sans vous rendre compte, c'est la population qui est victime. Sans vous rendre compte, le kidnapping a recommencé en bas en bas. Sans vous rendre compte, les bandits ont commencé à fonctionner dans une série de zones sans problème. Sans vous rendre compte, tout le monde qui est plus faible, ou bien le monde qui est moyen, le monde qui vient dans le pays, je dis à vous payer pour casser. Je dis à nous dire avec l'État, ou bien, moun qui peut aller gagner pour passer même la constitution. Il faut garder question à rien, le nom du directeur général, et faut garder tout le monde qui est au commandement de la police, n'importe qui t'a impliqué dans la connivence avec le bandit, je pense qu'il faut qu'on l'autre forme de bracalé pour moun ça en façon pour la population capable de râler pour souffrir, parce que il n'est pas possible pour ne pas prendre bandit dans la complicité avec le commandement ou bien moun dans le commandement de la police pour signer la plainte dans le pays. Uniquement pour poste. Si on va rendre compte, c'est le pays qui a crasé et nous-mêmes nous avons un pays de réserve. Et deuxième point que nous devons regarder dans la conférence de Bressa, c'est la question de Laurent Gargote. Dans les années 2010-2011, tout le monde songeait que la qualité de bataille, il faut pas que tu mènes, il faut pas qu'il y ait comme Major Jean, qui m'a redigé à Timothée Bonny à l'époque. Le Sahara, nous devons dénoncer les Sahara comme voleurs, comme billagers, comme gargotins. Et c'est la raison que ça fait un débat au nom Michel Malfini, parce que nous connaissons. Nous avons le départ fini pays. Mais Laurent Gargote, nous avons déjà connu, nous avons aussi gagoté ou nous gagoté. Mais en plus, le monde nous a mal, en plus, le monde a raculé nous, en plus, le monde a toujours déformé nos mondes. Mais je dis, ça ne va pas rendre compte, l'histoire les bat nous raison, parce que les sanctions commencent à bailler, sont une série de monde. On ne parle pas des sanctions au Canada, mais les États-Unis disent, on est temps pour Laurent Gargote. Voler plus que 60 millions de dollars dans l'argent que tout carré, là nous avons une question pour nous poser. Parce que pour qualité l'argent, nous prenons le monde à votre voler, il ne va pas venir seulement 60 millions de dollars. À moins que vous avez refouillé monsieur, à moins que vous avez supposé refouiller monsieur, parce que vous voler plus que ça. Deuxièmement, nous connaissons, on est pour Michel Malfini qui qualité gagote qu'il fait. Plus que 4 milliards de dollars dépensés, gagoté, déchappillé, et puis le pays n'a pas aucun résultat qui va gagner. Si nous avons vivé sous champ de massa là, nous avons vu comment le cinéma arrive encore, et le reste là, nous avons peinturé pour plus que 5 millions de dollars. Je ne sais pas ce que ça va faire. Par exemple, nous ne montons ni descendons. Mais dans la question de jalousie, je n'ai pas besoin de parler de ça. Nous avons montré que nous peinturé misère la population. Mais si nous avons vivé dans un bout de point où nous avons campé quatre fois, nous songeons quand c'est des corps que écoutez, je n'ai pas besoin de parler du Parlement. Nous songeons, Laurent Gargote a déposé un roche là qui coûtait l'État haïtien plus que 10 millions de dollars. Je dis, nous avons gagoté l'argent comme ça, et puis personne ne nous a pas dit ni monter ni descendre. Donc, qui est nous au niveau de l'Haïti? Nous croyons que nous devons faire pression que tu es sous la justice, que tu es sous la police,
nous n'avons pas qu'à impliquer dans voler plus que 60 millions de dollars et puis pour que les gens qui gardent le danger, pour ne pas être comme des sérieux, pour ne pas être comme des honnêtes et pour à l'aise, pour défendre tout parce que nous avons un pays. Non, nous sommes un pays sérieux. Nous avons décidé de nous faire comme ça. Vous êtes supposé des bons juges à faire côté comme ça. Et d'ailleurs, vous êtes comme la ligne là déjà. Vous faites pour bailler. Et en plus, vous n'avez pas qu'à dire 60 millions de dollars pour jeunes qui ont la mode voler. Pour jeunes qui ont la mode gargoter. Pour jeunes qui ont, monsieur ça, déchets. Même passé, les États-Unis nous bien contents pour faire un gros pas ça pour nous. Dans plus de confusion, on dit bien 60 millions de dollars. Même passé, il faut refouiller la mode, pas être comme ça, il est trop ici. Et, troisième point, c'est question Jamaïque, là, mes amis. Nous songeons, et dernière conférence de presse de Haïti, c'était là, nous déclarons, nous avons dit, qu'on a un rap sorti. Nous pour un plaisir pour me dire que tu as fini que tu as attendu pour mal idée, on va faire ça. Mais nous disons attendre nous, si tu as gagné un dialogue qui t'a fait dans le pays, nous t'avons mis des problèmes personnels de côté, nous t'avons mis des problèmes politiques de côté, nous t'avons mis des problèmes mesquins de côté, nous t'avons chita ensemble, sans intérêt de job, nous t'avons le pays, peut-être pas là tu es capable d'aller comme ça. Mais nous ne toujours pas être l'aide de 1990 à nous dire, chaque fois qu'on chita, c'est blanc pour aller nous mettre une chita sur le même table. Chaque fois qu'on chita, il faut changer de terrain pour chita. Bon, ça va être bien, comprenez? Bon, on va quand même quitter le terrain chita avec Ariel dans le pays. Et puis, nous traversons la chita avec les Jamaïques. Nous sommes perdus. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Comme si, quelle différence qu'il y a entre chita avec Ariel là et chita de Yoa avec elle? Nous avons toujours souhaité, espéré qu'il y ait un bagage qui fait. Même si nous ne participons pas dans l'enfant. Même si nous ne prisons pas. Dans l'intérêt du pays, nous devons un accord. Dans l'intérêt du pays, nous devons entendre. Dans l'intérêt du pays, nous devons des problèmes personnels de mettre de côté pour résoudre le problème du pays. Parce qu'il y a insécurité, il y a grand goût, il y a misère, il y a chômage, il y a la richesse. Il y a une bonne bagaille de catastrophe naturelle. Il y a une bagaille qui se passe là, en pile côté inondé. Donc le pays a se fait charger le problème. Derrière tout problème, ça ne va pas qu'un problème politique. Mais si nous sommes chita ensemble, nous devons résoudre le problème. Ça. Nous avons pris le sens. Au lieu chaque fois qu'on chita, c'est blanc qui a dit de nous, mettez un tel chita là, mettez un tel chita là, et puis blanc qui a baguette dans le temps, et puis vous-même dit soirée vous dire, ou même dit soirée vous dire. Alors ce que nous avons mis des problèmes sous ta pays d'Haïti, problème de gros c'est l'allié, on a ici lié, et c'est qui est l'allié, problème de gros c'est l'allié, problème manger est l'allié. Donc à chita jamaïque, et nous te souhaité bon bagage qui sorti, mais malheureusement, il va être pas venu, et nous souhaitons tourner là. C'est pour nous mettre la question internationale là de côté. Parce que ce n'est pas possible. Chaque fois que nous chita, c'est blanc. Chaque fois que nous entendons, c'est blanc pour faire. C'est pour nous tourner là, sans blanc pour entrer dans le caille. Nous chita, nous discuter, nous dialoguer. Si c'est vous même pour nous mettre, si c'est bien pour nous mettre, nous mettons mais. Une fois que l'autre, nous sorti. Pour nous sortir maintenant pour nous intérêt pays d'Haïti. Dans l'intérêt pour nous, cap souffrir. Merci. Dans l'autre bois, nous avons un exam qui occupe sous ce matelas titanien, fin déchet pied caille depuis ces mouns qui sont dans la zone. Nan. La police, jusqu'à présent, pour que j'aime capable de contrôler la zone, ça y est, chaque jour qui a passé. Bandi Aksapat a pris plus de territoire, cependant. Effectif, la police, là, malheureusement, dans l'arrondissement, pas répondre pour bataille avec Bandi. Pascal Fleuristil, depuis l'arrondissement de la caille, pour plus de détails. Après nèg exam fin envahi sous matla titanien et puis force moun yo kite kayo bandi exam kap opere nan zone sa yo déchè pied kay moun yo pran tout sa yo genyen zone sa yo redwi ak yon désert pa gen moun frekante yo chaque jour bandi mete coup de balle ap chante la dan yo bien que plusieurs interventions agent la police yo fè nan zone si la yo bandi yo toujours gen contrôle espace yo toute entreprise ki nan zone sa yo obligé rete fermé depuis environ 2 mois. Zone sa yo toujours pas accessible bien que plusieurs ententes qui fait en bandi yo ak syndicat chauffeur yo bandi yo toujours pour couvrir bay passage sur national là ça la cause depuis environ 2 mois machine pas traverser route nationale numéro 1 an. En plus de ça chaque jour bandi mette nèg exam si la yo a prend plus territoire yo déjà arrivé sous tête marché Chili qui trouvait à quelques kilomètres de centre-ville Cabaret ça la cause la Perez a grandi chaque jour la caille tout citoyen qui vivent dans arrondissement. Devant menace, effectif la police dans tout arrondissement qui gagne 2 communes évalué avec une centaine de policiers et puis qui pas gagne matériel pour au travail. Même Jean avec village dédié et puis Matissan, sous ce matelas, titanien capable considérer tout comme un territoire perdu. Depuis arrondissement Akaye,
Pascal Fleuristil, TAC 509. Jean Saté annoncé tout à l'heure, juge Walter Wessel Voltaire est arrivé auditionné mercredi 14 juin 2023. Ancien conseiller spécial, ancien président Jovenel Moïse, Guichard Doré, dans le cadre assassinat Jovenel Moïse. Là. Guichard Doré, après audition, continue de dénoncer Zak assassinat et ça. Qui lui-même tout souhaitait la justice en soi, t'a fait lumière sous dossier ça. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous gagnons tout d'une autre part. Ministère Travaux Publics, Transport et Communication, à travers Unité Centrale Élection, qui organisait mercredi 14 dans la et atelier de formation avec plusieurs entités, tant qu'organisation femmes, institutions étatiques, secteur universitaire, pour ne citer ça seulement. Eh bien, objectif activité ça, c'est pour relancer objet ou bien projet accélération numérique d'Haïti hein, et tout Banque mondiale même qui a financé lui pour un montant de 60 millions de dollars américains pour une période de 6 l'année, 3 ans déjà écoulés alors que projet a jusqu'à présent pour qu'on capable de démarrer d'après ministre Travaux Publics, Transport et Communication. Ingénieur Rosemont Pradel qui lui-même précisait pour nous que premier objectif projet si là c'est pour améliorer accès à accessibilité service internet dans administration publique là qui a contribué dans développement ville à région qui en retard depuis et puis créer tout de nouvelles opportunités emploi en faveur jeunesse haïtienne. Rosemont Pradel dans micro pour plus de détails. Ou bien en connexion dans le cadre de l'éducation, par exemple, le système éducatif, l'éducation nationale, côté que toutes les écoles sont connectées ensemble. Les universités, il y a des échanges, c'est-à-dire côté que connectivité a fait sur le territoire national. Deuxième maladie qui a fait tout, le secteur public, qui s'appelle toute l'administration publique, là, il y a connecté. On a discuté avec. Représentant de la Banque mondiale, là, côté que m'a dit, il faut que nous réfléchissions et gardions la possibilité pour nous, à travers ce système-là, réduire en quelque sorte la paperasserie dans l'administration publique. Les échanges entre les ministères, entre la primature et à l'intérieur de l'administration publique, c'est des tonnes et des tonnes de papiers qu'on utilise chaque jour et des tonnes d'encre qu'on utilise peut-être par année. Donc, ça coûte excessivement cher. Tandis que vous pouvez gérer ça à travers le numérique. Gérer ça à travers le numérique, à partir de son il peut aller plus vite. Parce que vous n'avez pas besoin de papier pour aller, pour tourner, etc., etc. Parce que pour poter aller, pour papier aller, pour papier tourner, d'ailleurs, il faut une machine, il faut un monde et qui est engagé pour ça. Tu vois, où vont les aller. Il faut écrire l'être là, il faut ou imprimer dans plusieurs exemplaires pour vous y aller, kounia, pour le, y répondre, pour vous y papier tourner encore. Donc, ça fait en quelque sorte du temps, de l'argent, et que côté qu'on a réduit en quelque sorte cette administration en utilisant alors le numérique. Donc, son voie que pour exploiter de telle sorte que nous avons baissé, ça n'a qu'à brûler le coût d'exploitation. En quelque sorte de l'administration de service à l'intérieur de l'administration publique. Maintenant, pour les écoliers et pour les écoliers, par exemple, les universitaires, on fait expérience là avec COVID-19, on fait là avec les troubles sociopolitiques qui viennent de pays, nous voyons que nous arrivons à faire l'école à distance. Donc, malgré l'état, le mauvais état de Santa Cabrera, le système Internet, si nous améliorons ça, nous avons un backbone, ça, c'est-à-dire nous avons autour de ça, donc ça va permettre que nous soyons plus fiables et nous avons fait l'école à distance de façon plus sérieuse. Au niveau médical, eh bien, au cas où un médecin dans n'importe quelle section communale, l'a communiqué avec d'autres médecins, même à l'étranger, lui présentons encore en fait télémédecine. Donc, il y a un paquet d'ouverture. Mais aussi, sur le plan économique, nous dit comment pour rendre bagage ça capable de générer l'argent pour le kembe tête li après que Banque mondiale fin financer l'aller pour ne pas tomber. Parce que le problème qui vient là, nous ka fin fait ça, nous avons une infrastructure, mais nous pas qu'à gérer, nous pas qu'à faire le marché parce que nous avons un corps pour lui. Son bail cap sous l'État tout le temps, etc. Maintenant, c'est pour nous garder comment nous ka fait gérer en quelque sorte de l'argent qui permette que le kembe tête li pour qu'on devienne autonome. À travers des activités. Par exemple, on est guinois, regroupé en association ou bien en coopérative et poisson,
pêche, eh bien, il y a gagné poisson, eh bien, il vend poisson à travers réseau ça. Il vend poisson à travers réseau, ou vend pas qu'on est biscuit, ou vend un bon bagage à travers réseau. Ou payer pour lui, donc la générer comme, donc à partir de ce moment, réseau a généré l'argent de telle sorte que l'ICAB était vivant même après le départ de la Banque mondiale. Donc voilà en quelque sorte ce que ça signifie. Avoir le système, c'est une chose, avoir cette infrastructure, c'est une chose, mais savoir l'utiliser, c'est encore une autre chose. C'est pour cette raison, on dit, il faut une très grande campagne de communication pour vendre l'idée, expliquer ça, ça a représenté, ce qu'a fait avec outils. Sans plus tarder, nous avons un syndicat employé, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle qui lui même dénoncé complot mafia national et international a fait là pour craser le système éducatif. Le syndicat a dénoncé en même temps tout responsable du ministère de l'Éducation nationale qui a gaspillé l'argent ministère là, alors que problème enseignant yo pas jamais posé élève yo qui a travaillé dans un environnement difficile. Winnie Joseph qui est secrétaire général syndicat annoncer tout dans jeu qui va gagner pour venir là yo a bon lever camper contre équipe qui dans tête ministère là pour éviter secteur éducatif là ta effondré. Louis Joseph Tenamiko, merci encore. Gen un cyclone qui passait sous système éducatif nous côté que un petit groupe antinationaliste, un petit groupe colon, un petit groupe mafia kidnapper système là, yo saboter, yo dé pas fini avec. C'est non qui rete kounia. Gros mafia national sa yo mélanger comploté avec mafia internationale, yo fait fin ak système éducatif noir. Tout moun connaît depuis colon étranger ak colon lakay besoin détruire une nation, ce système éducatif pays a yo attaqué en première position. Après yo bondi sous système qu'il tire nous. Nous-mêmes dans SPMF, nous tristes en pile, nous saisis tout pour nous dans qui est tapé ça y est là. Pour un groupe nèg ak femme appelé de saboter, gaspiller l'argent au ministère comme ça. Et puis premièrement, grand groupe pété fiel ti moun sous ban l'école. Et puis bon soi-disant PNCS qui là. Nous on ça la bri. Deuxièmement, élève chita youn sous l'autre dans salle de classe. Yon empile tankou sardine. Troisièmement, professeur a pris un pont ya, sa triste, tandis que le ministère a chargé l'argent. On prend un exemple FNE, $50. FNE, pour nous-mêmes, en dans SPMF, en dans syndicat, nous dit c'est chaudière montée sous nos timoun, pourtant l'idée descend sous nos grands moun, sous nos aloufa, sous nos urbains à tout fait. À partir de jeudi, en tant que syndicat responsable, nous avons déclenché une bataille pour le système éducatif noir pas fin effondrer net. Parce que c'est plein colon ça même. Bataille la gagne nous dit journalistes. Rive gagne un ministère qui n'a un seul local. Il pas qu'il n'en puisse passer de 18 local. Que tout employé ministère arrive à joindre 4 débits. C'est seul ministère de l'éducation nationale qui a refusé de nous 4 débits. Faut ajustement salaire a tourné en réalité pour le ministère de l'Éducation nationale. Et le syndicat a réclamé 300% parce que le coût de la vie a dépassé l'employé. Quatrième, il faut que les gens qui ont plus passé 3-4 ans qui travaillent dans le ministère a joué un chèque correctement. Cinquièmement, il faut que l'employé ministère a joué tout arrière salaire parce que il y a l'argent pour ça. C'est le gros chabrak qui a gagoté l'argent salaire. Sixièmement, faut que tout poste qui vide comble rapidement parce qu'il y a un pile employé à Joe Biden et il y a un qui mourit tout. Dans ce sens, ça nous dit n'a veillé en haut, n'a veillé en bas. N'a veillé pour se pas venir combler vidéo parti zami proche sans qualification et sans compétence. Nous pas fini conférence ça matin pour ne pas mander tout traite, tout comploté, tout mauvais jeu, national de point international, suspendre, détruire l'éducation pays. Tout jeune garçon, à jeune femme qui amène un pays, qui a fait mon souffrir matin, midi, soir, nous demandons au côté, depuis autant de conférences, nous demandons pour le pays à une chance. Nous disons, messieurs, dames, le pays à une chance.
trop crime, trop sang coulé. Colon yo, c'est ça yo besoin, yo besoin pour pays à la main. Nous dit, nous mandé États-Unis, Canada, à tout l'autre pays ennemi Haïti yo, parce que nous c'est ennemi Haïti yo, suspend diviser la famille haïtienne. Suspend détruit pays a, suspend détruit Haïti. Offrir moun yo visa pour yo ka tourner dans pays a, lè yo aller, lè yo vle. Nous mandé compagnie Digicel, yon compagnie ka bay pays a service. Nous mandé suspend sacrifier peuple là, nan augmenter plan lyo. Nous dit vive bon jeune éducation. Vive yon nouvelle Haïti dans la paix et tranquillité. Aba tout colon national et international qui mette pays a dans sa lié jodi a. Passage ministre Desmi Maniga, son passage catastrophique d'après président syndicat employé ministère éducation nationale ak formation professionnelle lan qui c'est Gary Lapierre. Li fait konnen que ministre lan pa pose aucune action concrète pour améliorer système éducatif lan. Syndicaliste lan dénonce menace toute qualité membre syndicat yo a subi et par rapport avec opposition yo apprend bien sûr opposition apprend contre mauvais fonctionnement ministère lan dans sens là li plaider en faveur revocation ministre Maniga nan remaniement ministériel premier ministre annoncé a et li fait connaître que employé yo sinon nan pays an yo pral entraver nan grève. Gary Lapierre, t'es dans micro pour plus de détails. Puis les pressions, menaces qu'a fait sur nous-mêmes, c'est que c'est syndicat qui était une des revendications qui croit pas nous-mêmes. Et nous connaissons le syndicat et on paquet avant qu'il ait fait sur ministre qui passait. Si tout sous question et alignement salaire pour toute direction départementale qui était censé être presque en réalité, nous pas arrivé joindre et nous gagné 4 débits qui était presque joindre. Nous avons ensemble des travail que nous avons fait avec le ministre qui est passé. Le ministre qui est venu, c'est comme si nous faisions bac. Et nous avons signé un protocole d'accord avec le ministère qui a ensemble des revendications là-dedans. Et il faut que nous disions au ministre qui a pressé, il y a 10 ans dans le ministère là. Et nous chita avec le ministre pendant 2 fois. Pendant 2 fois, ça a eu. Et tous les réunions, ça a eu fini en quête poisson. Parce que les revendications que nous avons, que nous avons ministre avec cahier de charge, cahier de doléances qui nous dessine avec le ministère. Côté ministère, il a pris un engagement pour ensemble des bagages qu'il a fait pour le personnel administratif ministère qui va arriver fait. Et le ministre est venu commencer par là avec nous, c'est l'autre bagage qu'il est venu poser avec nous. Il est venu sous revendication. Nous. Et nous constatons nous-mêmes dans le syndicat personnel ministère, passage ministre des Mines dans le ministère, fait nous un bac extraordinaire. Et passage ministre son passage une situation catastrophique parce que ministre pas arrivé fait rien dans système dans surtout dans ministère pour nous même employés que nous connaît la fonctionner dans ministère je dis à côté m'a pas la voilà là et nous pas besoin faire pléonasme nous connaît dans combien local ministère et ministre était pour mettre nous dans premier mois qu'il vient les premières rencontres nous pas avec les gens dans une corps disponible les gens dans un local qu'il gens dans un séjour qu'a compter pour nous annoncer le local. Jusqu'à présent, le ministre Campi s'est gardé, il va pas me dire non. Et avec tout, nous dénonçons un paquet de gagotes qui a fait dans le ministère. Et ça a mis vie nous, syndicat, en péril. Il y a une menace verbale qui fait sur vie nous, vie madame, nous, vie petite nous. Avec vie même syndicat pour disparaître nous, pour constituer un contexte qui est là. Et nous dénonçons un paquet de bagages, nous avons fait dire. Et le passage du ministre Smith est un passage catastrophique pour nous, dans la tête du ministère national. Et nous demandons. À ce que dans le nouvel gouvernement, le nouveau gouvernement va gagner, comme nous avons gagné remaniement, nous disons qu'il faut que vous ayez un ministre dans l'éducation nationale qui charge le problème pour que l'école soit faite. Qu'est-ce qui est bon? Année ça, on a perdu, tout le monde constate, l'école ouvre en janvier, et grève en mars, et jusqu'à présent, nous en grève, et nous pensons qu'il faut dire, parce que enseignants en grève, si nous ne pas arriver à prendre rien, il y a le composé d'un examen. Et le ministre n'a pas montré tout, il est à la hauteur, mais ben, tâche li pour être capable de concilier tout le monde, tout le syndicat, pour être capable de résoudre le problème du système. Le système n'a pas plus de problème. Nous pensons que le ministre Smith nous a dit ça dans un premier temps. Il faut constater l'échec dans le ministère pour être capable de tirer la révérence. Et bon, jusqu'à présent, nous avons dit que nous sommes là toujours. Et nous pensons que tout employé dans le ministère, je dis à côté de la parole, nous en concertation avec tout le département,
Et si le ministre Smith, ou Betagon, ou Imani, ou Betagon, ou Betagon, ou Betagon, ou Betagon, ou Betagon, ou ministre ou et nous allons lancer grève dans tout le département, toute direction départementale, va le fermer. Parce que je vous dis, nous, pendant cette situation de fonctionnement, pour ne pas parler à vous, je vous dis, là, si vous passez dans tout le bureau, au fond, au niveau de droit, vous regardez pas de papier, pas de imprimante, pas de l'eau pour nous faire besoin, vous regardez les toilettes, vous qui sont des cabirants. Et si tout le ministère, si vous avez des ministère, pas de fonctionner, parce que pas de gaz, pas de rien. Et nous pensons que c'est un son bilan catastrophique pour le ministre. Et nous demandons dans le syndicat personnel ministère et nous levons voir nous bien haut pour demander au ministre pour tirer la révérence parce qu'il fait échec dans la gestion. Bon, c'est tout le gouvernement qui échoue, mais nous pensons que le ministre c'est pour tirer la révérence. Nous avons l'Office Protection Citoyen tout qui organise une cérémonie pour rendre hommage avec écrivain Franck Etienne hier mercredi 14 juin 2023 qui pas présent tout dans cérémonie à cause de problèmes santé. Une cérémonie qui déroulait dans la présence diverses personnalités takou ancien premier ministre là Evans Paul et puis ancien premier ministre Jean Rousseyan et ancien ministre qui relait Pierre Josué Agenor Kader. Et pour citer ça seulement, dans l'occasion, c'est protecteur citoyen qui te remet un proche Franck Etienne, une plaque d'honneur. Et nous voulons signaler pour tout que OPC décide d'honorer écrivain après que l'ITF participe dans l'émission télévisée semaine passée. Yo, côté que Franck Etienne soit décrit situation critique que lui-même li a vive depuis plusieurs années dans le pays à cause de conjoncture politique insécurité. Il a gagné deux bras balancés sans aucun moyen économique pour l'État survivre avec famille. Eh bien, déclaration ça, c'est lui-même qui a démobilisé la société, côté que a décidé pour te supporter par écrivain. Nous invitons actuellement à écouter avec nous, protecteur citoyen Ronan Edouville, pour plus de détails. Je ne vais pas, je ne peux pas présenter de manière exhaustive l'écrivain Franck Etienne. Cavalier Paul Kalla, qui a fait théâtre ensemble avec lui, dans un moment difficile, avant le départ du Valier, capable de dire ça, il peut dire ça tout court, même pas qu'à faire. Mais je dirais de préférence qu'on le connaisse surtout comme peintre, comme philosophe, comme auteur de plusieurs pièces de théâtre, Perlin Tête, Bobo Massouri, il va écouter maintenant des bafrés avec ancien PM, avec PM Evans Paul. Mais ce qui est important de noter, pour les générations actuelles, le professeur Franck Etienne, qui est encore avec nous, mais qui n'a pas pu faire le déplacement pour raison de santé, tenez-vous bien, chers amis, a démocratisé l'éducation en Haïti au début des années 70. Et bien, mon là qui a témoigné, répété ça me dit là, le PMC. Hein. Démocratiser comment? Eh bien, pendant les années 70, dans le pays d'Haïti, jusqu'à présent, malgré un pile syndical, l'ISAP Goumen pour ça, c'est toujours une sorte de l'école. L'école, gros l'école entre guillemets. Et puis, on sait de l'autre l'école, comme si nous avons une autre catégorie de monde. Professeur Franck Etienne, tu as gagné volonté, courage. Même Jean-Mette Benfeldo. Professeur Etienne, Franck Etienne, tu as mis sous pied un collège qui t'a porté non, collège Franck Etienne, et Fonzil pour génération quand dans salle là, qui côté dans Bel Air. Pas belle Koumia, belle. Oui, belle. Dans belle, tu as un collège Franck Etienne et qui est capable de faire concurrence avec n'importe gros école privée dans le pays d'Haïti. Nous connaissons gros école privée, nous ne pouvons pas citer. Mais l'autre dans un collège Franck Etienne, ou sorti dans l'école collège Franck Etienne, ou bien fréquenter l'école Franck Etienne, collège Franck Etienne. C'est même professeur qui t'a travaillé dans gros l'école yo. Ça n'a pas les élites yo. Et bien c'est là yo te joindre tout professeur qui enseignait dans collège Franck Etienne. Donc ça ne relait génération qui pas sorti dans classe riche yo, et bien yo te gen chance pour joindre éducation normalement une éducation de qualité. Et là ça c'était beau à vivre dans Bel Air. Ou te jeune l'école, ou te jeune l'autre bagay tout. Donc, bref, éducation te atterri dans le quartier ça, qui jounen jodi a, nous capables de dire qui un petit peu abandonné. Donc, en clair, nous capables de répéter pour nous dire que non seulement on ne peut pas supposer ouais côté artistique,
Franck Etienne, en tant que peintre, en tant que philosophe, en tant qu'homme de théâtre, dramaturge. Mais c'est son monde qui était démocratisé question éducation hein, de façon concrète, non seulement créer l'école, mais à travers un pile théâtre, poésie, que le défait était toujours utilisé dans beaucoup de cas, langue créole. Là. Nous voulons rendre un hommage bien mérité au professeur Franck Etienne. Coordonnateur conseil Kazakh 3e section commune Trivianiple, Evans Leblanc, mandé avec support pouvoir central là pour aider à résoudre quelques problèmes population à faire face dans la section communale. Sans plus tarder, on fait place avec Jonathan Charles pour dossier sport. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue l'autre fois dans la rubrique sportive là. Jonathan Charles lui-même qui a présenté nous. On a commencé ensemble avec l'actualité sur le plan local. On a parlé de dossier basket. Gagné sélection haïtienne basketball 3x3 qui recevoit une invitation dans la Fédération dominicaine de basketball 3x3 Grenadier yo k'ap gen pour yo kay voisin vendredi 16 juin k'ap vini là pour un stage dans objectif pour jouer deux tournois pendant week-end 17-18 juin. Sélection k'ap gen pour jouer face à des clubs dominicains, il a gen pour jouer tout face à d'autres sélections. N'a rappelé délégation Andriken 6 moun entraîneur qui porte nom Joinville là ensemble avec conseiller technique là qui c'est Jusnel Joseph c'est nos gardien quatre joueurs yo c'est Kevinson Blanc Max Macon Fritz Lawrence Salvin Wilson Rosney c'est joueurs ça qui pral représenter sélection haïtienne de basketball 3x3 n'a si aller sélection qui a servi à stage ça comme préparation parce qu'elle a bien pour aller participer dans juste centre Amérique et des Caraïbes a bien pour le fait dans ville San Salvador qui c'est capitale pays Salvador l'a commencé 30 juin pour finir 2 juillet cap venir là la page internationale là n'a prêté nous aller de préférence en Amérique du Nord pour nous parler Ligue des Nations zone CONCACAF là nous affaire football affiche demi-finale a déroulé dans pays États-Unis c'est jeudi à 7h à souhait. Premier demi-finale là pour jouer Panama a joué face équipe Canada. Si nous regardons sur 10 derniers matchs d'équipe ça yo, 2 victoires chaque côté, il y a 6 matchs nuls et puis à 10 journées à souhait, méga choc là c'est pral Mexique cap gain pour jouer face les États-Unis d'Amérique. C'est Allegiant Stadium nan qui recevoir demi-finale yo. Il y a une capacité 61 000 places dans la ville Las Vegas qui dans l'état Nevada. Si nous regardons le bilan, confrontation de sélection ça yo, yo joué 75 matchs, 38 victoires pour sélection mexicaine nan, 16 matchs nuls, 26 victoires pour les États-Unis d'Amérique. Si nous regardons Mexique yo score, on a fait 144 goals, 86 goals pour étoile yo. Match qui gagne plus goal qui fait deux nations ça yo, c'était le 19 septembre 1937, Mexique t'a recevoir États-Unis dans capitale là c'est Mexico. Mexique écrase États-Unis 7 goals à 3. Match ça qui a fait 10 goals là-dedans. Si nous parlons kounya en Europe pour nous parler Ligue des Nations dans zone Europe là depuis finale yo premier demi-finale là t'est joué hier mercredi dans stade Feyenoord là Croatie a battu la Hollande 4 goals à 2 après prolongation. Pourtant c'est Orange qui t'a fait goal en va avec Daniel Malen dans 34e minute de jeu. C'est attaquant Borussia Dortmund. Mi-temps est fini 1-0 en faveur Orange. Mais dans la deuxième mi-temps, flamboyant Rouge est venu égaliser avec Andrej Kramaric, 55e minute de jeu sous penalty. Mario Pasalic est mis quatre devant dans 72e minute de jeu à 2-1. En 20 ans pour le gâchon, mi-temps est René Hollandais, Noah Lang, est égalisé dans 90+6. Et ça te tout voyé match là dans prolongation. Revenir en prolongation, Croatio te fait goal avec Bruno Petkovic dans 98e minute de jeu sur la première temps prolongation. Dans la deuxième temps prolongation, dans la 116e minute de jeu, Ballon d'Or 2018 là. Vieux Brisca au Croate là, Luka Modric te fait 4e goal là dans la 116e minute de jeu sous penalty. Et Green Goal ça, les mêmes qui te rité Croatio qui bat la Hollande 4-2. Qualifié pour finale Ligue des Nations. C'est pour la deuxième fois qu'on s'y prend jouer une finale et compétition, s'il vous plaît. Première, c'était en 2018, lorsque la France était battue 4-2 dans la finale Coupe du Monde. Et là, pour l'année 2023, qualifié pour finale Ligue des Nations. Sélection néerlandaise, malgré le chargement paquet de jeunes talents qui échoué. Au deuxième demi-finale, là, la joué jeudi, c'est pour à 2h45. L'Italie, lui-même, qui a bien pour jouer face à la sélection espagnole, là,
Si nous regardons deux équipes, ils ont joué 40 matchs déjà. 11 victoires pour Squadra Azura, 16 matchs nuls, 13 victoires pour Espagnol. Italien by 49 goals, Espagnol by 45 goals. Si nous regardons un pillage, première fois l'équipe ça a été joué de préférence, c'était en 2 septembre 1920. L'Espagne était battue l'Italie 2-1. Match ça a été joué dans la ville Anvers, qui est un pays Belgique, dans le tournoi Jeux Olympiques 2020. Si nous regardons le score qui gagne entre deux nations, c'est Italie qui est battue l'Espagne 7-1. Match ça a été joué le 4 juin 1928. Match qui était compté pour Jeux Olympiques d'été 1928, qui était fait dans le pays La Roulande. Et là, deux équipes s'est même eu pral croisé. Et nous songez, dans l'année 2012, j'étais fait finale la Coupe d'Europe. Laissé à l'Espagne, qui savonnait l'Italie. 4-0, tout le monde songez. Buteur, Jordi Alba te fait goal. David Silva te fait goal. Fernando Torres te fait goal. Et nous même songez, Don Andrés Iniesta, qui était buteur Ligue des Nations. On a poursuivi, vous me laissez à quoi le faire. Nous allons parler qu'il y a un match amical de préparation qui a joué jeudi matin à 8h. L'Argentine a bien pour jouer face à la sélection australienne. Le match a bien pour dérouler dans Gongtian. Il y a 65 094 places dans la ville Pékin, qui est la capitale pays la Chine. Si nous, et la Chine, nous connaissons qui gagne une affaire de 12 heures de temps en plus. On a dit Haïti, la puite en matin pour nous et la puite en souhait dans le pays la Chine. Et l'Argentine face l'Australie, et si nous regardons auparavant, l'équipe a joué 8 matchs déjà, 6 victoires pour Albi Celesteia, un match nul et une victoire pour la sélection australienne. L'Argentine baille 14 goals, l'Australie baille 8 goals, champion du monde pour aller remettre Couronio en jeu. La petite football sélection pour nous parler affaires football transfert, dossier Kylian Mbappé qui continue à faire actualité, mais buteur mondial 2022 ya. Et journal Marca lui-même qui mettait dans titre hier mercredi et la partie de l'été un rêve pour tout fanatique Real Madrid pour avoir Mbappé venir dans Real Madrid la saison prochaine bien que Mbappé quelque temps lui-même qui était confirmé et après et pour nouvelle ça moi pas demandé pour vendre moi ni pour aller dans Real Madrid moi seulement confirmé que moi pas souhaité activer année en plus là qui dans contrat. Je ne vais pas parler de prolongation dans Paris Saint-Germain. Je suis content parce que mon équipe là, Mbappé lui-même qui voulait rester dans l'équipe Paris Saint-Germain. Journal allemand Abender Zeitung lui-même expliqué à Mbappé ou Julian Nagelsmann, ça ne peut pas marcher. Nagelsmann qui est en pleine discussion avec le dirigeant Qatario pour savoir s'il est venu entrer l'équipe Paris Saint-Germain. Mais journal allemand lui-même qui a fait connaître. Il n'y a pas quoi de partir ça, il y a un même qui prend le marché. Si toutefois Kylian Mbappé est allé, il y a Radio Marca, média espagnol là, il même lui fait connaître. Paris Saint-Germain a remis joint service Antoine Griezmann, toujours selon média espagnol là, il a fait 100 millions d'euros à lui déposer sous table pour champion du monde français. Ce dossier qui paraît difficile parce que Diego Simeone qui a entraîné Atlético Madrid, puis pas d'accord pour le séparer de champion du monde 2018 là, qui sous contrat pour juste l'année 2026 à Rui Blancocho. Si vous regardez Antoine Griezmann pendant la saison 2022-2023, puis qui totalise une affaire de 16 goals, 18 passes et 16 goals, il bat 18 passes, goals dans 48 matchs, toute compétition confondue. D'ailleurs, c'est lui qui est fini meilleur joueur pour l'équipe Atlético Madrid là pour saison. On a toujours parlé dossier Kylian Mbappé dans une interview, monsieur Tebay avec média italien Gazzetta dello Sport. Hier mercredi, monsieur lui-même qui voulait un message fort sous affaire raciste là, se fait connaître la cité, nous-mêmes joyeux, nous devons sortir sous terrain, yo laisse à fête. Comprendre que nous avons pouvoir pour changer bagaille avec Paris Saint-Germain. Nous avons fait ça dans l'année 2020, la Ligue des Champions, face équipe Basak Cheikh là. Et que match a continué à être rejoué après. Capitaine tricolore a continué à vous dire, il a plaigné, ça pas suffi. Avec Vinicius, il y a une mobilisation avec CBF là, ça a vraiment utile. Médiatiser tout, mais institution doit changer tout. Si on était comme ça, il a facilité un autre comportement, règle doit modifier en tant que capitaine de la France. C'est une question, mon prêt à servir pour me goûter en pile, c'est ça que Mbappé lui-même fait connaître. À parler football transfert, gagné Real Madrid qui confirme et rivé Jude Bellingham, milieu de terrain anglais 19 ans, monsieur qui signe un contrat 6 ans pour en faire 103 millions d'euros. Monsieur pourra toucher un salaire net 10 millions d'euros.
Mais si toutefois on l'autre équipe t'a voulu prendre Jude, on va bien pour déposer 120 millions pour Real Madrid t'a quitté aller. Si nous t'avons gardé une histoire transfert et n'a pas numéro 1 c'était Neymar Junior 222 millions euros dans période de mercato estival 2017 là t'a quitté Paris Saint-Germain t'a traversé dans Barcelone. En deuxième place c'est Kylian Mbappé dans mercato estival 2017 là monsieur qui t'a quitté Monaco à Junior Paris Saint-Germain pour 180 millions euros. Et troisième place, c'est Philippe Coutinho, brésilien. Ça nous songe dans mercato hivernal 2018. Là, moi j'avais 2018, monsieur t'a quitté équipe Liverpool Latissien à Barcelone pour 135 millions euros. Cinquième place là, c'est João Félix, 127 millions euros. Monsieur t'a quitté Benfica, traversé dans Atlético Madrid. En sixième place, c'est Enzo Fernandez, 121 millions euros. Là, et nous avons dit pendant le dernier mercato qui a été fait l'année passée. Monsieur t'a quitté Benfica, c'est à Chelsea. En septième place, c'est Antoine Griezmann, première version, 120 millions d'euros. Monsieur t'a quitté Atlético Madrid, c'est à Barcelone. Huitième place, c'est Andrea Jack Grealish, 118 millions d'euros. Monsieur t'a quitté Aston Villa, c'est à Manchester City. Neuvième place, c'est Cristiano Ronaldo, Dos Santos Aveiro. Monsieur t'a quitté Real Madrid dans le mercato estival 2018. Là, c'est à Juventus. Dixième place, c'est Eden Hazard, 115 millions d'euros. Dans le mercato estival 2019, là, monsieur t'a quitté Chelsea, c'est à Real Madrid. Romelu Lukaku, première version Chelsea. Puis j'ai quitté Inter à la Chelsea pour 113 millions euros. Deuxième place, c'est Paul Labil Pogba. Monsieur était quitté Juventus. T'as allé dans Manchester United pour 105 millions euros. Ça, c'était première version dans le mercato estival 2015. Dans. Et treizième place, c'est Jude Bellingham. C'est 3 millions euros. Quitté Dortmund, ici à Real Madrid. Et dernière, c'est Gareth Bale. Dans le mercato estival 2013. Là, tu as quitté l'équipe Tottenham dans Real Madrid. Avec dernière info, ça on a mis fin à la rubrique sportive là. Jonathan Charles, lui-même t'a présenté nous. Merci Jonathan, merci à chaque grand monde qui t'a gagné chance de regarder la séance de vidéo aussi là. Rendez-vous cassé pour demain, 7h du matin. Eh bien, c'était Zamou, René Demikwa pour servir. Au revoir, que Dieu vous bénisse et restez des nôtres. Bye bye. Yon pays qui fin crasé. L'aime de piti, expression ça pas de gain sens pour moi. Malgré le en créole. L'amour de qu'on partage avec Zamé, pas de bon temps pour me chercher à comprendre tout. L'aime venir voyager, j'aime commencer à l'ouvrir sur quelques réalités. Même de venir piper réalité, ça y est. Pas d'envie comprendre. Après 10 ans dans un pays étranger, malgré toutes mauvaises nouvelles, nostalgie exige, j'aime venir visiter le pays. Et c'est là, je commence à regretter qu'il me dégrandit. I love my country, je t'aime. Ti pays ça qui l'énerve si fait caca, semble une bafoudre ou un état. Merci, politicien, merci, bourgeoisie, pour tout ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé mou pour mettre fou pépé fiel. Nous prenons tout bagaille pour blague, pas de la bataille entre nous. Nous pas engager, nous n'a rien qui est important pour nous. Depuis, c'est pour chou qui te mêle ou à kidnapping, Jaspo, Rauka, te kyo qui te mêle ou à pay show. N'a clé ou ne manifeste, ma de justice pour Jovenel. Par cet ange, juge de paix pour qu'on fait constat de saline. Est-ce que tête nous droite, qui justice n'a pas cherché là? Abraham bien pour lui dire cette assez, n'a pas foutu ce panorama là. I love my country, je t'aime, ti pays ça. N'a pas suspendu fait caca, semble une bafoudre ou un retard. Merci, politicien, merci, bourgeoisie, pour tout ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé, mon goût, mettre fou, pépé. L'avocat fonctionne, mon prélin, coussadine, pas d'un bac, machin, bac à poser sous grand riz, oh Jésus. Bagay sa fèmri, I just fucking love my country. Ki es, ki es ki vre gangster? Ki es, ki es ki pou gon